Bon, alors nettoyé il y a pratiquement une semaine. Voilà, je vous fais voir le plus que je peux, le mieux surtout. Ben, ça n'a pas bougé. Hein. Là, il est bien sec. Je pourrais le remonter et mettre de l'essence. Mais il m'est venu une autre idée. Alors, mon autre idée, bon, au lieu de le remplir, de remonter, donc, comme je disais, je vais le sabler avec du couscous. Vous savez ce qu'on met pour le carrelage? En fait, c'est du sable un peu gros. Bon, ça me chagrine un peu pour le nettoyage futur à l'intérieur. J'ai peur d'en oublier. Allez savoir des petits brins qui se coincent dans les, je sais pas où. Bref, je vais le remplir. Là, il y en a une petite boîte de conserve. D'ailleurs, je mettrai sans doute pas tout, je sais pas. Et puis de temps en temps, vas-y à la main. De toute façon, on ne peut pas sabler l'intérieur comme ça. Il n'y a rien qui peut le faire. Et allons-y pour le sable. J'espère que ça va passer dans le petit goulot de la bouteille. Pareil, je dirige pour en mettre l'autre droit, l'autre gauche. Voilà, j'en ai mis que la moitié pour le moment. Je verrai bien ce que ça donne à l'usage. Ensuite, je ferme tout. Hop là. Mince, j'ai oublié mon bouchon du bas. Je ferme tout et on y va. J'ai oublié une info importante. Le sable absolument sec et le réservoir aussi, hein, j'ai rien rajouté. C'est juste pour gratter au sable. Autre chose, oui, nous sommes le 30 mars, dimanche. Avec l'heure en moins. Je vous dis ça parce que le poste daté du 24, donc ça fait 6 jours. Et c'est resté nickel. Et comme c'est pas évident que je le finisse ce soir, ou dans la semaine, je vous donne cette précision. Et puis finalement, je n'ai pas tout mis, parce que, et ben, à force de gansailler, là, vous verrez qu'au bout de 5 minutes, ça fait lourd. Hein. Donc plus on en met, plus c'est lourd, plus c'est difficile à remuer. Voilà, la suite bientôt. Bon, là, je vais faire partir un peu la poussière due au sable, pour ne conserver que les gravillons. Pardon, c'est devant. Ça sort aussi par le robinet d'essence qui n'y est plus d'ailleurs, heureusement. Qui remue. Ménage. Sort du gravier, c'est pas bien grave. Voilà. Et déjà, c'est beaucoup plus lisse à l'intérieur. Pas mal ça. Je sais pas si on le verra. Un peu de loin. Oui, de loin on voit mieux que de près. Si je me rapproche trop, après ça sera flou. C'est déjà beaucoup plus lisse là. Tout en restant bien couleur tôle. Hein. On voit même bien plus loin. Ah, pas mal. Bon allez, je vais continuer encore jusqu'à demain des bien secouer, fermer là et en bas et bien secouer. Voilà, j'ai fini le rinçage.
Eh ben, c'est fatigant tout ça, hein, parce que comme prévu, ben, il y a quelques grains qui sont très récalcitrants et qui restent au fond. Il faut batailler pendant 2 heures pour les sortir. J'en ai profité pour nettoyer le bouchon des deux côtés. J'ai envoyé de l'eau de chaque côté parce qu'il y a un peu de gravier de sable qui était rentré dedans. Hein. Mais c'est bon maintenant. Et voilà, on va passer au séchage. Bon alors pas top les graviers ici, ça a bien décalaminé. Par contre, après, dans la soirée, il y avait la couleur rouille qui est réapparue. Vous savez, une espèce de poussière. C'était pas rouillé, mais c'est la couleur rouille qui est réapparue. Ça partait avec le doigt. Donc, je recommence. Acide plus soude. Là en ce moment il y a l'acide, je reviens à ma soude comme la dernière fois, je fais sécher et je mettrai mon essence, voir ce que ça donne et on verra plus tard, ben, juste après finalement pour le kit restom si ça marche pas. Voilà, j'ai passé l'acide, la soude, maintenant rinçage et après c'est terminé. J'en prends un peu sur les mains, c'est pas grave. Encore du jus rouille hein, qui sort. On va finir par décaper ce genre de... Donc, je crois que je vous l'ai déjà montré, c'est le séchage. Donc on va arrêter là. Après le séchage, ce soir, je mets de l'essence dedans. Et je vais laisser la fenêtre comme ça, tout fermé, comme s'il était monté normalement. Voir si la rouille revient. Donc ce sera le plus simple. Regardez-moi ça, il est nickel ce réservoir. Je comprends pas pourquoi ça revient juste en mettant des cailloux et de l'eau. Et puis partout, hein, vous voyez pas, mais moi oui. Avec le soleil, le peu qu'il y en a, on peut aller voir bien au fond et c'est nickel. Bon allez, je mets de l'essence et après ça sera kit restom de toute façon, hein, s'il n'y a pas d'autre solution.